Depuis la finale de la 52e édition de la Coupe du Mali de football en 2012, remportée par l'Union sportive de Bourni 2 à 1 devant les 11 créateurs, ces deux formations ne s'étaient jamais rencontrées au stade Modibo Keïta. Ces matchs qui se jouent sur fond de rivalité va vite. Dès la 5e minute, les créateurs profitent d'une situation favorable dans la surface de réparation. Un pénalty transformé par Yogba Niari. Les visiteurs, sans complexe, multiplient les initiatives. Ils vont acculer les joueurs de Niarela sans parvenir à concrétiser jusqu'à la pause. 1 à 0. Au retour des vestiaires, à la 47e minute, Ablaye Traoré, société de l'US Bourni, à la réception d'une balle de la tête établit la parité. 1-1. Cette réaction de l'équipe de Bourni oblige celle de Niarela à sortir le grand jeu. Dans une situation standard, dans les arrêts de jeu, Lassana Yiriba Samake, spécialiste des balles arrêtées, trouve son coéquipier. Moussa Cissoko ne laisse aucune chance au portier de l'US Bourni. 2 à 1, score final en faveur des 11 créateurs. On avait une équipe de Bourni qui, pratiquement à la perte de ballon, se regroupait en défense pour former un bloc. Et à la récupération, ils ont des attaquants qui vont très vite et ils balançaient le ballon. Ça nous a posé d'énormes problèmes. Mais par la suite, nous avons trouvé la solution. Parce que l'objectif, c'était quoi? C'était de gagner le match. On a dit, à 10 minutes de la fin, nous avons demandé maintenant de jouer les balles balancées dans l'axe. Parce que les deux arrières centraux aussi ne sont pas à la hauteur là-bas. Ils ne sont pas techniques, ils hésitent. Donc je crois que ça a été la clé du match. On a vu du beau football. De notre côté comme du côté des 11 créateurs. Mais franchement, parler, les pénaltys ne s'imposaient pas et les coups francs de la dernière minute, ça ne s'imposait pas. Si vous avez les images, on peut en témoigner avec. C'est une jeune équipe qui vient de monter en première division pour la première fois. On est sans expérience de la première division. Donc notre objectif, c'est juste de nous maintenir. Cette revanche des 11 créateurs sur l'USB leur relance au championnat de Ligue 1.